ceci à la rediffusion d'un live Twitch. N'hésite pas à aller t'abonner. Des bisous. Nous approchons de la piste d'atterrissage. On veut. Atterrissage. Sortez des points d'atterrissage à température extérieure de 23 degrés. Merci d'avoir voyagé sur Mamadou. Ok, maintenant, on leur pète la gueule. Tu bouges, t'as mort, c'est classe, hein. Toi là, Zivix, Silver, tu bouges pas. Vous bougez, vous êtes mort, putain de merde, c'est fou, c'est. Croyez pas qu'on rigole. Et on se mange le cul, là, putain. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Des polices, donc. On va te sodomiser avec une truelle. Si tu continues de parler, ça fout, ça. Putain. J'entends pas de sirène. Peur. Ta gueule, tu fermes ta gueule, ok? Putain. Tu vas le regretter. Fortement. T'as fou, j'avais à vomir là, ça c'est beau, hein? Ça c'est la bêtise! Ça c'est la bêtise! T'as fou ça! Là, tu nous poses là en speed, mais un truc de fou! Et je répète, hein, que Quentin, et c'est qui déjà, j'ai oublié? Silver? Non, oui, c'est Silver. Silver, tu viens avec nous. Quentin, tu viens avec nous. Les autres, vous restez dans l'hélico. Monsieur, bonjour. Nous sommes là et nous n'avons aucune autre motivation que l'argent. D'accord? Nous sommes des professionnels. Nous avons agi dans différents pays. Nous avons fait des braquages à Chicago. Nous sommes tous soldats d'élite et avons fait notre service en Afghanistan et en Irak. Alors, ne déconne pas, ok? Ouais, c'est bien, ouais. Fous-toi de ma gueule. Bon, j'ai trois otages, monsieur, ok? J'ai un otage qui est sur cette position et deux autres otages qui sont sur une position inconnue. Ça veut dire que peu importe ce que vous entreprenez sur... Oui, c'est ça. Vous allez avoir la confirmation de vie des trois otages d'ici très peu de temps. En attendant, écoutez-moi. Vous avez un otage sur ce site. Si vous entreprenez quoi que ce soit, de toute façon, il y a deux otages qui ne sont pas là et qui vont mourir par votre faute. Je sais combien la police peut, peut tout simplement débloquer rapidement, d'accord? Donc je vais être très raisonnable dans ma demande. Écoutez-moi bien, monsieur, je vais vous dire quelque chose de très important, je vais vous le garder en tête toute la soirée, là, pendant toute la durée de la négociation. Si les otages s'insèrent en vie, et vu la nature de ma demande, ce sera une victoire pour vous, et pour moi. D'accord? Le bain de sang n'est pas une issue. C'est la sécurité des otages. Ok, on est bien d'accord. Alors, cette contrainte sera respectée, je peux vous le garantir. Hein. Donc, on va commencer par le premier otage. Déjà, monsieur, j'aimerais bien savoir exactement pour les trois otages, quelles sont votre revendication au niveau de l'argent. Je vais vous le dire tout de suite. C'est très très simple, c'est 250 000 dollars non négociables par tête. Par contre, monsieur, la négociation de l'argent, vous l'oubliez. Hein. Vous l'oubliez. C'est 250 000 dollars, parce que c'est extrêmement raisonnable. Je vous propose, monsieur, c'est 500 dollars pour deux otages qui suivent. 500 dollars, ça va faire un peu court. J'en demande 750 000. Et vous me donnez 500 dollars, ça fait un peu court. Ouais, monsieur, j'ai 500 dollars pour deux otages. Je demande à un des hommes qui aille chercher le reste, à un ATM le plus proche, qui m'apporte le reste. Monsieur, vous venez de me dire que vous étiez en retard parce que vous avez retiré des sous et vous avez que 500 dollars, vous foutez de ma gueule? C'est du putain de foutage de gueule, 500 dollars. La vie d'un putain de civil innocent pour 500 dollars? C'est même pas un forfait de téléphone. Votre réserve de quoi? Mais vous avez pas 500 dollars. Je sais que les fonctionnaires sont mal payés, mais faut pas abuser non plus, hein. Là, c'est du gros foutage de gueule, hein. Quentin, officier Quentin, autorisation de couper un orteil à l'otage numéro 1. Faites-le tout de suite. Très bien. Il y a un otage qui est blessé. C'est fait, chef.
otage, on va devoir... Il y a plus qu'une goutte de sang, là. Il faudra le recoudre, il a perdu un orteil. Vous croyez quoi, là? Ok, monsieur, alors... Vous avez 500 dollars, et quoi? Et vous voulez menacer, maintenant? Vous voulez menacer? Vous voulez que je vous rappelle que je détienne deux otages à une position qui est tenue secrète? Vous n'avez aucune force de contrôle sur cette situation. Alors vous allez vous écraser et écouter mes recommandations attentivement, c'est clair, ça? Je vais vous amener le premier otage. Vous allez le voir. Amène-moi Silver, Quentin. Ok, je l'amène au pont. Tu l'amènes là où on est, là. Ok. Silver, tu te lèves et tu me suis à la trace. Ou sinon, je vais en faire des traces. Dès que vous avez confirmation de la bonne santé du premier otage, monsieur, vous allez me chercher, bouge plus. Non pas 250 000 dollars, mais 300 000 dollars, juste pour que nous puissions établir une relation de confiance. Avance. Dans cette première transaction. Avance, devant moi. Allez, avance. J'arrive. Dis-moi si tu me vois derrière, que j'aille pas. Il a perdu un orteil, il s'en sortira très bien, il aura qu'à mettre, il a juste à oublier le fait de mettre des tongs en vacances, sinon il aura l'air d'un con. C'est tout. On baissera les prix pour le dernier otage. Bon, fais-le approcher. Il boite un peu, hein. Il boite un peu. On lui a coupé un orteil, hein. On va lui mettre on va mettre l'orteil dans une boîte de knacky. On l'enverra à sa famille. Avec du ketchup, c'est super bon. Ok. Silver. Hormis le fait que tu viens de perdre un putain d'orteil, tu vas confirmer au monsieur que tu es en bonne santé. Vas-y. Tu es en bonne santé, monsieur. Je vais bien. Voilà. Vous pouvez le constater. Il va très bien. Il boite, c'est tout. Un coup de Doliprane et ça ira mieux. Vous passez la somme ? Très bien. Est-ce que M. Silver peut passer derrière moi, s'il vous plaît ? Bien sûr. Allez, passe derrière le monsieur, dépêche-toi. Et la moindre chose que tu puisses révéler sur notre plan te coûtera la vie et plus qu'un orteil, hein, crois-moi. Lui, je l'ai encore dans le viseur, hein. Il fait quelque chose qui va pas, j'ai encore le truc dans le viseur. Très bien. Nous partons sur d'excellentes bases. J'ai cru que ça partait mal. Vous me montrez que vous êtes un homme de confiance. Nous allons donc tenir de part et d'autre notre parole et ceci ne se terminera pas en bain de sang. Les seules gouttes de sang qui ont été versées dans toute cette histoire, c'était pour l'orteil à Monsieur Silver. Et ce sera tout. Monsieur, est-ce que je peux parler avec mon équipe pour dire que 30 secondes... Allez-y, il n'y a pas de problème. J'en fais de même. Surveille. Jack, pose-toi, tu te poses sur le pont. Tu te poses le plus loin possible, enfin le plus près possible de la verge. Quentin, va aider sorti. Je sais quoi, j'ai pas entendu. Va aider sorti, va voir de ce qu'il y a. De Pyrgos. Oh, je pose près de Pyrgos ou de la banque. De la banque. Monsieur, vous pillez la réserve fédérale en fait. Oui, tout à fait, oui. À la banque, chef. Allez, ça. Demande silence radio, ici, nous, demande silence radio. Monsieur, est-ce que vous croyez vraiment que j'ai choisi ce lieu pour prendre une prise d'otage sans piller la banque fédérale? Soyons logiques. Vous le saviez très bien. Exactement. Exactement, monsieur. Bon, monsieur, si vous... Maintenant, j'aimerais bien. Oui, je vous écoute. Où sont les deux autres otages, monsieur? Très bien. Pilote arrive au pont. Les deux autres personnes, vous allez en voir une en vrai et l'autre va vous envoyer un message, d'accord? Et ensuite, vous verrez l'autre en vrai. Mais d'abord, vous n'en voyez qu'une. L'hélico qui se pose là, c'est un ami avec le deuxième otage que vous allez pouvoir voir. Xivix. Faites sortir Xivix. Moi je peux pas, j'ai un braquage. Tu peux pas quoi? Je peux pas venir avec parce que je dois rester à 15 mètres. J'ai du coffre. J'ai un petit braquage. Jack, coupe le moteur, va chercher sortie. À toi, reviens là. Xivix, tu reviens ou je te bute? Allez, tu t'avances doucement. Tu t'avances doucement du monsieur. Tu bouges, t'as une balle dans la tête et je n'hésiterai pas à te tuer devant le monsieur. Tu confirmes que tu es en bonne santé. S'il vous plaît, non, tu te mets pas derrière lui ou je t'explose. On fait comme tout à l'heure, ça s'est très bien passé.
Vous me donnez la somme et il passe derrière vous. En attendant, il vous confirme qu'il est en bonne santé. Est-ce que tu es en bonne santé? La somme, c'est combien alors là, monsieur? Je suis en très bonne santé, mais j'ai peur du noir et il fait très très noir. Je vois pas du tout ce qui se passe. Ok, donc vous ne bougez pas et tout va bien se passer. Vous serez guidé par l'officier Radio Dub qui fait preuve d'un très grand professionnalisme. Bon, je vais avoir besoin de 275 000. Ah, oh là, monsieur, oula, là, 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 vous demandez un peu beaucoup, là. Je vous ai de... Vous n'avez pas les sous sur moi, monsieur. Eh bien, vous avez combien, là? Là, monsieur... C'était minimum 250, hein. Minimum 250, hein. Pas en dessous, ça, c'était sûr. Il me reste 150 000, monsieur, sur moi. Je vais demander à un agent, si vous le désirez. Oui. 150 000, oui. Là, cet otage, et 300 000, l'autre otage. Non, non, c'est négatif, c'est négatif. Un agent qui a cherché les sous. C'est négatif. Ah, monsieur, alors, il va y avoir un problème, là. Bon, monsieur, vous n'avez pas beaucoup, il ne vous manque pas beaucoup. Je vous accorde les 100 000 qui manquent, d'accord? Je voulais vous demander plus, c'est comme ça qu'on avait convenu. Donc on va partir sur 250 000, vous avez juste 100 000 à trouver, allez-y. Et pour le dernier otage, il restera une somme. Contacte mes amis. Pardon? Il faut que je contacte mes amis. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, mais trouvez-moi 100 000 $. Ok, monsieur, tout de suite. Et toi, tu bouges tes morts, c'est clair. Les agents, j'aurais besoin d'un peu de sous, s'il vous plaît. Il demande 250 000. Écoute-moi, ton pote, je lui ai coupé un putain d'orteil. Parce qu'il avait frémi d'une oreille. Alors, crois pas que c'est parce que tu es au milieu de ce pont que tu vas t'en sortir. Encore. Allez, tu te baisses, tu t'allonges. T'étais bien allongé, là. Victim Boros. Victim. Oui, monsieur, tout de suite. Jack. J'obéis à vos ordres. Jack, ça avance comment? Quand ouais. Ça avance comment? 7 minutes encore. Putain, c'est long. Bon, tu t'élèves. Tu t'élèves. Ok. Tu te retournes et tu vas là-bas vers la lumière. Messieurs, s'il vous plaît. Ça sera messieurs. Plus facile pour les tuer. Form on me. Messieurs. Tu bouges pas. Messieurs, revenez là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon ami. Tu bouges pas. Tu vas m'apporter des sous, monsieur, en fait. J'aurais pas besoin de bouger, comme ça on restera en communication directe. Ok, retournez à l'hélicoptère là. Retournez à l'hélicoptère. En attendant, communiquez avec vos équipes, faites ce que vous voulez. Mais on garde nos distances, par sécurité pour vous et pour moi. Je peux pas communiquer avec mon équipe, monsieur. Retournez à l'hélicoptère. Une fois que vous avez l'argent, vous venez vers moi. Par avant. La porte de la banque s'est ouverte. Allez, recule. Tu recules, Zivik. Dépêche-toi. Il faut gagner du temps, les gars. C'est pour ça que je fais ça. Il faut trop gagner de temps. Parce que là, on n'a pas assez. Je vais à vos ordres jusqu'à la mort. J'espère bien. Allez, avance. Avance-toi. Dépêche-toi, cours. Droit devant. Droit devant. Stop! Tu bouges plus. Tu te couches. Tu te couches. Combien il reste de temps dans cette putain de banque? C'est interminable. 5. 5? Mais il faut que ça aille vite, la banque, là. Là où il y avait la porte du coffre, il y a quelqu'un qui t'amuse à l'ouvrir. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Ok. Toi, ta gueule. C'est pas toi qui va me rassurer, hein. 4 minutes là-bas. 4 minutes. Ok, on les aura. Oui, monsieur, j'ai la somme. Où est l'otage, par contre, monsieur? Je vois plus. Vous croyez que je l'ai buté? Vous êtes fou, quoi. Il est là-bas, il est en sécurité. Écoutez, maintenant que vous avez été chercher l'argent, je suppose que vous avez réuni la somme nécessaire que j'avais demandé au début, c'est-à-dire 750 000 dollars. Oui ou non? Vous l'avez, monsieur. Elle est dans votre porte-monnaie. Très bien. C'est très bien, je vais chercher l'otage. Vous me faites confiance, vous me faites confiance. C'est très bien. Je vais chercher l'otage, je vais lui dire d'avancer. Et de la même façon, nous procéderons pour le troisième otage, d'accord? D'accord, monsieur. Ramène-toi, Xivix. Combien de temps? Informez-moi sur le temps. 3 minutes. C'est trop long, putain. 2 minutes. Ok, c'est bon. 2 minutes à l'instant. Bon, écoute-moi bien. Les gens m'ont donné la somme pour te sauver, donc tu vas retrouver ta famille.
Je ne veux que tu ne dises absolument rien, aucune information, ok? Tu ne nous connais plus. Ta mémoire s'efface sur tout ce que tu as vu depuis une demi-heure. Sinon, on te retrouvera, on coupera tes doigts de pied, on les mettra dans des sachets et on appellera ça des knacky balls. Et ce sera très bon au micro-ondes avec de la sauce. Tu te lèves maintenant. C'est pas drôle, putain. Allez, tu avances doucement en marchant. Babadou, tu qu'est-ce que t'as avec les knacky? Placement produit. Allez, avance. Knacky ball, c'est bon d'avoir les boules. Tu marches. Est-ce que Quentin, tu peux pas bouger toi? Du temps, deux minutes et je peux pas bouger à plus de 1 mètre. Ok, entendu. Enfin. Ta gueule. Bientôt une minute. T'es pas encore sorti d'affaire. C'est pas encore d'actualité. Quentin, dès que c'est fait, tu m'amènes sorti. Mais tu l'exposes pas. Faut pas qu'il le voie. Vous faites tous du putain de boulot. Je sais même pas où il est ce con. Shorty, tu veux que je l'amène derrière? Je suis dans l'hélico. Ok, Shorty. Okay. C'est bien. Tu restes comme ça pour l'instant. Tu veux que je l'amène derrière? Pour l'instant, vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour l'instant. Je ne me tuerai pas. Je répète au cas où ça n'a pas été entendu, il reste une minute. Jack, pose-toi. Pose-toi sur le pont. Et quand je te le dirai, tu iras chercher le troisième otage, Jack, ok? Pour l'instant, tu te poses sur le pont et dès que je te le dirai, tu iras chercher le troisième otage. Pour l'instant, on passe à la transaction du deuxième. Avance, Xivix. 40 secondes. On va voir le monsieur. Est-ce que tu es en bonne santé, Xivix? 37. Oui, je suis en très bonne santé. Est-ce qu'on t'a coupé les doigts de pied? Est-ce qu'on t'a coupé la bite? Est-ce qu'on t'a siphonné les couilles? Non. Tu vas très bien. Non. Le monsieur ici a été extrêmement gentil, extrêmement professionnel. Et à payer ta caution et ta liberté. Même si j'ai infiniment envie de te coller une balle dans la tête. Alors maintenant, tu es entre les mains de ce monsieur. Vous ne ferez pas ça. Tu avances, tu marches. Dépêche-toi. Okay. Dépêche-toi, avance. Moi. On fait dans l'ordre, monsieur. On fait dans l'ordre. On ne précipite pas les choses. Monsieur dit oui, je vois tout noir. Oui. C'est bon, un agent. Un agent prendra soin de vous. Allez-vous, dépêchez-vous. Jack, tu te poses. Faut que je parle avec toi. J'arrive, mais je viens de différentes positions. Fini. Ok. Bon, okay. Voilà comment ça va se passer maintenant. Un collègue va se poser ici, je vais lui donner l'argent, parce que c'est plus sécurisé. Et ensuite, je vais lui ordonner d'aller chercher le troisième otage. D'accord? Donc, comme vous avez besoin d'une preuve de vie et de confirmation, ce que je comprends pertinemment, je vais dans un premier temps faire demander à l'otage, je vais restituer son téléphone, il va pouvoir vous envoyer un SMS. Est-ce que c'est OK? Non, monsieur, moi, je suis désolé, comprenez. Ah, vous allez le voir en vrai, hein? Je peux pas donner. Vous allez le voir en vrai, c'est. De l'argent tant que je vois pas. Oui, je suis d'accord. Je suis là, Mixem. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas donner l'argent tant que je vois par SMS. Chef, je suis là. Je suis d'accord avec vous, ok? C'était juste pour continuer cette putain de relation de confiance que nous avons depuis le début. Et bien vous montrer qu'il était un vie. Mais vous allez le voir en vrai avant le moindre euro versé. D'accord? C'est moi avec la lumière. Mon collègue va se poser. Je vais lui donner mon argent afin que tout se fasse de manière sécurisée. Pas d'interloupe, ni d'un côté, ni de l'autre. Pas d'entourloupe, ok? Non, négatif. J'ai pas donné de sous encore. S'il décolle, on abat tout. C'est normal. Si le... Monsieur, s'il avait l'idée de décoller avec ou sans mes hommes, il y a encore un putain d'otage. C'est clair, ça? Oui, monsieur. Non, mais en fait, ce que je disais, c'est que monsieur, vous ferez abattre. Ah bon? Je vais vous le dire, mais vous serez à bas, monsieur, vous rentrez dans cet hélicoptère, comprenez-moi. Oh ouais, c'est bien. Faites ça ! Évitez de grimper dans cet hélicoptère, monsieur. Faut que je prenne en otage. Radio Dove. Radio Dove. Tu vas vers l'hélicoptère, tu montes dans cette putain d'hélicoptère, tu te dépêches. Je me sens très mal avec cet hélicoptère. Tu montes dans cette putain d'hélicoptère ou tu meurs, t'as 3 secondes. Dépêche-toi, t'es mort sinon. Tu peux pas communiquer avec ta police. Tu peux rien faire, tu marches calmement, tu vas vers l'hélicoptère.
Dépêche-toi, sinon t'es mort. Je suis un putain d'homme mort. C'est clair ça? Allez, tu avances. Maintenant tu cours. Tu vas dans l'hélicoptère, dépêche-toi. Fais tourner le moteur, Jack. Jack. Allez, monte dans l'hélicoptère, dépêche-toi. Bon, là on a qu'à faire un montage. Allez, montez tous. Envoyez, Quentin, envoie un message à la police. Je dis quoi? Tu dis qu'on a une policière en otage. Est-ce que tout le monde est dans le véhicule? Au rapport. Tout le monde est dans le véhicule. Ok, tu te barres d'ici, dépêche-toi. Tout le monde. Ok. Vas-y. Déjà, ouais. Putain de bordel de merde, on est en train de niquer. Oh les gars. Attends. T'es un peu foufou, ma madou, là. Bam. Tu traces comme ça, j'avais tracé. Tire dessus. Trace comme un malade, ils sont fous, ils ont un collègue dans l'hélico. Pour ne pas manquer l'épisode 2, abonne-toi à la Coop Gameplays. T'as bisous, hein, c'est ta Mamadou. Ah, j'oubliais, n'oublie pas de manger des... Bag it.